Voilà pour cet autre match nul entre les étalons du Burkina Faso et l'Algérie. Je ne sais pas si une partie du public a apprécié ce résultat. On note tout de même qu'ils sont venus en nombre, les Burkinabés, sur ce plateau. Groupe de supporters venus du Burkina Faso, membres, vous le voyez sur les t-shirts de la Fondation Bertrand Traoré qui vient en aide aux éléphants et aux enfants et non pas aux éléphants et aux plus démunis bien sûr dans votre pays. Bravo pour ces actions et merci d'être là évidemment. Donc j'imagine une petite déception pour vous ainsi que pour les joueurs. C'est vrai que ils sont encaissés cette égalisation à la 95e minute. Manque d'expérience, c'est ce que semblait dire Edmond Tapsoba. Oui, un peu. Après, je veux dire, lorsque le match a démarré, j'ai senti les étalons assez nerveux. Preuve en est, les pertes de balles. On se rappelle qu'Hervé Kofi avait eu ce ballon en retrait, il avait manqué son contrôle. Des situations un peu litigieuses dans les ressorties de balles. Ils arrivent à marquer contre le cours du jeu. Après, effectivement, ils mènent au score, il reste quelques secondes. Déjà, je veux même parler de l'égalisation, parce que c'est une faute qui est totalement évitable. La faute qui amène 1-1. De la faute de Dayo avec Ponedja qui est de dos, c'était inutile, qui amène 1-1. Et puis effectivement, quand vous menez 2-1 et que c'est le dernier corner, les prises en charge doivent être meilleures, il faut se responsabiliser. Et là, ça a pêché, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu repartir avec le plein de points. Après Guy, tu parles de se responsabilité, mais il y a une chose que moi, je n'ai pas compris sur le coup de pied arrêté. Lequel ? Le dernier ? Sur l'égalisation. On voit Tapsoba et Dayo. Les deux plus grands, les deux meilleurs joueurs de la tête, qui se trouvent au premier poteau. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas tactiquement, parce que normalement, ces deux joueurs-là doivent prendre les meilleurs joueurs de la tête de l'équipe d'Algérie pour éviter ce genre de but. Bounedja, on sait très bien la qualité de son jeu de tête. Ouais. Tapsoba et Dayo, ils sont au premier poteau, à l'arrêt, face à des joueurs lancés. Si le corner il est bien tiré, c'est ce que j'allais dire. Se responsabiliser. Gros match des étalons et effectivement cette erreur à la 95e minute. Vous avez parlé de cette erreur de Tapsoba et pourtant il a fait un bon match, on a envie de dire. Il a fait un superbe match même, puisqu'il a longtemps, si je puis dire, été le leader défensif. On n'en attend pas moins, bien évidemment, de ce joueur qui, on le rappelle, évolue chez le leader de Bundesliga en Allemagne, le Bayer Leverkusen, où il a joué 14 matchs cette saison. Des occasions sauvées, notamment sur cette action en première mi-temps Aurélien. Et là où on l'a trouvé également très bon, c'est ses relances très précises, notamment à plusieurs reprises. On va voir des relances où il est capable de casser plusieurs lignes. Quel regard vous avez eu sur ce match d'un Tapsoba qui était quand même taille patron aujourd'hui? Bah oui, il était taille patron. C'est lui qui a été le leader défensif, même si, encore une fois, on va insister, moi, en tant que défenseur, je vais insister sur le fait que, bon joueur de tête, il aurait quand même dû prendre ses responsabilités sur le but de Bounedja. Mais bon, maintenant... Ça peut être une consigne de l'entraîneur, justement? Ça peut être une consigne de l'entraîneur, mais souvent, en tant que leader sur le terrain, vous faites pas toujours ce que demande l'entraîneur, parce que c'est vous qui êtes acteur, au final. Donc je pense que sans vraiment lui tirer dessus, ça n'enlève à rien son bon match, comme vous le disiez tout à l'heure. Il a trouvé entre les lignes, il a décalé, il a parlé de temps en temps. Là, il sauve une très bonne action devant l'Algérien qui se retrouvait face à son gardien. Effectivement, en tant que vous-même défenseur et spécialiste de la Bundesliga, est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Leroy qui dit que Tapsoba est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs au monde à ce poste, en tout cas? Ça fait un moment que je le dis. C'est vrai. Ça fait un moment que je le dis. Alors, il évolue du côté du Bayer Leverkusen avec Odilon Kosunou, qui est un Ivoirien, et Jonathan Tah. Et c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur des trois, alors que les trois sont déjà à un certain niveau, mais c'est vraiment le meilleur des trois. Et il le prouve encore. Et rappelons qu'il était quand même diminué aujourd'hui. On a vu le bandage sur sa jambe droite, il me semble. Donc c'est un joueur très important du côté des étalons. Donc il va falloir, certes, se remettre en question, régler les petits détails et aller chercher cette victoire lors du dernier match. Côté algérien, il faut souligner l'insolente efficacité de Bagdad Bounedja, qui a d'ailleurs été élu homme du match. Un troisième but déjà pour lui dans cette compétition. Il a marqué tous les buts de son équipe. Exactement, 3 buts pour l'Algérie, 3 buts donc de Bagdad Bounedja. On le rappelle, c'est son 5e au total à la CAN. C'était sa 66e sélection, 30 buts. Et on l'a vu, en dehors de ses buts, Mamadou, c'est aussi sa combativité qui tape à l'œil depuis le début de cette compétition et sa rage. Il est dans tous les bons coups algériens, finalement. Franchement, c'est sa force. Moi, c'est un attaquant que je connais très bien parce que je le suis du côté de Assad au Qatar. Et déjà en 2019, je pense que si l'Algérie est championne d'Afrique, c'est en grande partie grâce à lui, parce que offensivement, il n'est jamais les défenses soufflées. Il empêche toutes les relances. Il est tout le temps là, il répète les courses.
C'est lui qui a marqué en finale contre le Sénégal. Il a marqué en finale contre le Sénégal. Il a la présence dans la surface de réparation et il a une efficacité incroyable. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de la compétition, mais il se les crée pratiquement lui-même, ses occasions. En revanche, on a assisté à nouveau à une prestation plutôt décevante de Riyad Mahrez qui n'a pas du tout pesé sur la rencontre. Et complètement, c'était déjà la grosse déception face à l'Angola lors du premier match. Et là encore, un match très compliqué pour Riyad Mahrez. D'ailleurs, en chiffres, c'est zéro dribble réussi dans ce match, zéro centre réussi, zéro tir tenté pour Riyad Mahrez. Pour celui qui est annoncé comme l'homme fort de l'Algérie, Guy, c'est très insuffisant. Ajouter à cela, 6 pertes de balles, on le rappelle. Ouais, on a pu voir, si vous me permettez, ses réactions. Il disait qu'il n'écoutait pas un peu les critiques. Je pense qu'il devrait un peu les écouter. Forcément, c'est un joueur formidable. On sait les qualités de Riyad Mahrez. Là, on voit son conduite de balle. Il perd le ballon alors que Riyad Mahrez, le ballon, il est collé à son pied. Il arrive à zigzaguer entre les joueurs. Et depuis un moment, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que Djamel Belmadji doit penser à le repositionner, parce que est-ce qu'il est capable de faire encore ses efforts que demande le poste d'excentré? Donc vous le mettriez dans l'axe, vous? Oui, sûrement. Pourquoi pas essayer? Parce que ça reste quand même un joueur assez fin, avec une certaine vision. Peut-être qu'il a plus, encore une fois, les jambes et le corps pour faire les différences sur le côté. Aurélien, est-ce qu'il peut, le coach peut se permettre de le laisser sur le banc carrément? C'est un sacré événement côté algérien. C'est pour le bien de son équipe ou alors pour qu'il se pose un peu de bonnes questions? Ou alors qu'il sache qu'on compte sur lui, mais peut-être en sortie de vente. À ce moment, c'est le coach qui doit décider ce qui est bien pour l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, il s'entêtait à le mettre et qu'il ne soit pas décisif. Ouais. Je pense que c'est un très gros problème. L'Algérie revient de loin, les amis. L'Algérie revient de très, très loin. Match nul, 2 buts partout. L'Algérie qui arrache un match nul dans les dernières minutes. Un match nul qui va certainement le faire du bien pour la suite de la compétition. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Algérie, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes faire du contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, l'Algérie arrache le match nul dans les dernières minutes face au Burkina Faso, 2 buts partout. Un match nul qui va certainement le faire du bien, les gars. Parce que si l'Algérie avait perdu en termes de mental, en termes de confiance, ça allait être très, très dur. Ça allait être très, très dur, les amis. Heureusement qu'ils prennent ce match nul. Ce match nul leur permet d'avoir 2 points et ils ont encore leur destin entre les mains. Ils peuvent même sortir premier de la poule en fonction des résultats de l'autre match. Donc, en première période, on a vu une équipe d'Algérie qui a dominé le Burkina Faso. C'est presque un hold-up de voir le Burkina Faso ouvrir la marque, mener la mi-temps. Pour moi, c'est un hold-up. Pour moi, c'est un hold-up, les gars, de voir le Burkina Faso marquer à la fin de la première mi-temps. Le Burkina Faso n'a quasiment rien proposé. Quasiment. Donc, tu as une équipe d'Algérie qui a fait une très bonne première mi-temps, mais qui n'a pas su concrétiser cette occasion. Par la suite, au Burkina Faso, ils ont exploité le peu d'occasion qu'ils avaient. Parce qu'à la fin du match, c'est 6 tirs pour 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont fait preuve d'efficacité. 3 tirs cadrés pour le Burkina Faso, 2 buts marqués. 2 buts marqués. Donc globalement, je peux dire que l'Algérie s'en sort vraiment bien parce que s'ils avaient pris cette défaite, s'ils avaient été battus, ça allait être très compliqué pour la suite. Très compliqué en termes de points, en termes de mental, en termes de confiance. Ça allait être très, très compliqué, les amis. Très, très. Ce que moi, je retiens dans ce match, c'est Bounja. Bagdad Bouninja. C'est un joueur qui a été critiqué. C'est un joueur qui a été écarté de la sélection. Malheureusement, il n'a jamais baissé le bras. Ou bien, heureusement pour lui, les gars, il n'a jamais baissé le bras. Il n'a jamais baissé le bras. C'est un joueur qui représente avec fierté la sélection de l'Algérie. Il cavale partout. Il court. Il presse les défenseurs. Bref, tu sens vraiment une personne qui moule le maillot, comme on dit.
il mouille vraiment le maillot. Bagdad Bouninja, il mouille franchement le maillot. L'Algérie a marqué 3 buts. Les 3 buts marqués, c'est Bagdad Bouninja. 3 buts marqués, c'est lui qui a marqué tous ces 3 buts de l'Algérie. Il est incroyable, ce garçon. Au point où il a mis Slimani sur le banc. Il a mis Slimani sur le banc. Personnellement, moi, je ne croyais pas que Bouninja pouvait encore retrouver un tel niveau. Il est très fort. Très, très fort. Si on parle de Bouninja, du côté positif, on va parler forcément de Mahrez qui n'assume pas ses responsabilités. Mahrez, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il est vraiment dedans. Il est vraiment dedans, Riyad Mahrez. Il doit assumer son statut de capitaine, son statut de leader. Ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment à la ramasse. Il est vraiment à la ramasse, les amis. Donc, Riyad Mahrez doit vraiment retrouver son niveau. Ou alors, Djamé Belmadi doit faire les choix forts. Hein. Tu dois mettre ton capitaine sur le banc. Ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident de mettre son capitaine sur le banc. C'est très dur. Très, très dur. Il faut avoir de la personnalité. Il faut être très, très fort pour mettre son capitaine sur le banc. Son capitaine est en plus un leader technique. C'est très, très dur. Donc, l'Algérie est sur 5 matchs en CAN sans victoire. C'est cruel. 5 matchs sans gagner le moindre match. 5 matchs consécutifs en CAN sans gagner le moindre match. C'est cruel, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Ils devraient battre absolument, je pense, la Mauritanie. Le dernier match, ils doivent absolument battre la Mauritanie. Sinon, c'est game over presque. Parce qu'avec 3 points, je ne suis pas sûr que tu sortiras mieux 3e. Mais en fait, je ne suis pas vraiment sûr. Donc, pour t'éviter les problèmes, tu dois gagner ton match. Tu gagnes ton match, tu es sûr d'être qualifié. Avec 5 points, tu seras qualifié. Donc, ils doivent absolument battre la Mauritanie pour ne pas se mettre dans les problèmes. Absolument. Donc, les amis, partage votre ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.